Donc le prochain morceau, donc, en l'occurrence une Lamborghini Gallardo de 2017, une LP 524, donc LP, exactement ce que ça veut dire, 520 c'est la puissance, et 4 c'est le nombre motrice. Donc je vais surtout demander à son propriétaire de nous en dire un petit peu plus sur le véhicule. Pourquoi cet achat déjà? Pourquoi une Lamborghini? Pourquoi une Gallardo? Mais tout le système après, oui, j'étais très indécis jusqu'au dernier moment entre une Gallardo et une Ferrari 430. Mais 430 pour ce qu'elle a. Alors que la Gallardo, je la voulais en coupé. Ah voilà, donc ça s'est fait naturellement. Oui, naturellement, c'est un peu l'occasion qu'a fait. Vous êtes tombé sur la voiture en fait au moment et ça correspondait à votre envie. Tout à fait, oui. À ce moment-là. Tout à fait, première main, 21 mm. Même amélioré. Tous les tampons, un seul garage. Donc une voiture avec un historique limpide. Ok. En termes d'options, de quoi on peut disposer sur la Gallardo, de quoi elle est équipée, la boîte, j'imagine que c'est une boîte automatique IGM. Au niveau frein, sur les freins, c'est en temps, ça va être le du carbone et rédhibiteur. Il y a l'option céramique, mais bon, ça vaut son prix. Au niveau puissance, donc on est au niveau moteur, je veux dire, on est sur un V10 5 litres d'eau. Non, 5 litres. 5 litres, c'est ton point. D'accord, donc c'est la première génération. Non, c'est la deuxième génération. La première génération, c'était donc le style de moteur, sauf qu'il était en 520. D'accord. Et donc là, on passe à 520 chevaux. En 2006, il s'est passé en 500. D'accord. Avec une puissance, un couple qui progresse légèrement. Oui, oui. Et puis quelques modifications au niveau de la boîte et au niveau du moteur. Oui. D'accord. Commencez à rouler. Mais ils ont fait des fausses parties. Hier, il y avait une émission à la télé, ils en parlaient. C'est un vrai objet de plaisir, j'imagine. Je pense qu'on va vite écouter le feulement du V10. Mais ils veulent la diversité. C'est un design qui s'est fait, c'est qui est monté dans les R6, qui est monté dans les R8, c'est un... On est sur un moteur atmosphérique du coup qui est typé au régime. On prend combien de régimes avec un moteur comme celui-là? 8 litres par minute. Effectivement, ça fait beaucoup de mouvements. Ça roule pas mal à l'intérieur. Je veux bien vous croire, rien qu'à l'entendre au ralenti, effectivement, c'est quelque chose. On peut revoir la même moteur, effectivement, vu la pièce d'art que c'est. Donc le fameux V10, 5 litres, comme on disait tout de suite. Effectivement, ça présente très bien, comme toujours chez les Italiens. On a toujours des super hauts moteurs qui sont très assez travaillés pour que ce soit agréable à regarder. Alors, sur ce volume-là, l'empennage a été refait. Avant, 21 000 km? À 21 000. Effectivement, une espérance de vie pour l'embrayage qui est assez courte. Oui, oui, mais c'est tout à fait dans les normes pour ce genre de voiture. Que ce soit Ferrari ou Lambo, toutes ces voitures avec pas trop robotisé, ont une vire très rapide d'embrayage. Une vitesse d'embrayage va très rapide. Ouais. En même temps, c'est vrai qu'il y a beaucoup de couple et beaucoup de puissance à faire passer, ça explique aussi. Oui, oui, et puis tout dépend. Si on ne fait que de l'autoroute, on peut faire 50, 60, 80 000. Mais si on fait de la ville, à chaque fois c'est patinage. Hein. Et c'est pas contrôlé comme un embrayage mécanique avec le pied. Hein. Donc vous ne contrôlez pas. Hein. C'est l'électronique qui contrôle et qui fait le patinage qu'il veut. Tout à fait. Et du coup, en termes de la IDR là-dessus, en termes de qu'est-ce que ça donne par rapport à une boîte, je dirais, automatique, moderne, plus moderne,
Est-ce que c'est toujours au goût du jour ou est-ce que c'est un petit peu... Non, c'est un petit peu dépassé, parce qu'il y a toujours des nouveautés. Maintenant, ce sont les doubles embrayages. Double embrayage. Tout à fait. La dernière mode, effectivement, depuis une dizaine d'années chez tous les constructeurs, c'est le double embrayage. C'est le double embrayage. Donc, au niveau rapidité de passage des vitesses, on y gagne un petit peu avec un double embrayage. Parce qu'il y a deux points. Comment il y a deux points. Donc, il ne faut pas la première et la deuxième, non. Donc, je voulais dire, avec le double embrayage, c'est vrai, c'est surtout plus souple. C'est ça. On a une vitesse de passage de rapport qui est tellement réduite qu'on ne sent pratiquement pas le rapport. Alors que là, c'est vraiment un appui dur, on sent le choc à chaque passage. Oui, on a une espèce de kick dans la nuque à chaque fois qu'on passe un rapport et j'imagine que... Pas à ce point-là. Pas à ce point-là ? Oui. Moi, ce que je fais, c'est quand je passe les vitesses, je lâche un petit peu l'accélérateur. D'accord. Et là, ça passe. Ok. Donc effectivement, c'est comme la plupart des boîtes automatiques. On soulage un petit peu l'embrayage et... On apprend à les utiliser à l'usage. Par contre, le mode sport est encore plus brutal. D'accord. Au niveau de passage d'air. Je l'ai jamais utilisé. D'accord. Pas encore. C'est bien de préciser pour la revente. Nous, on les commande. Oui. Je crois qu'on a à peu près tout dit. Est-ce que là-dessus, on a un mode sport qui permet aussi d'avoir une motricité qui est accentuée sur les roues arrière peut-être ? D'accord, donc on reste sur une répartition du coup qui est toujours la même. D'accord. Mais je pense qu'entre le mode sport et le mode route, il y a des modifications. D'accord. D'accord, donc la gestion moteur, on va quand même envoyer un petit peu plus de puissance sur les roues arrière. Content de ça, parce que les quatre roues, elle a beaucoup de mal à se mettre en travers. D'accord. C'est l'avant qui dit ça. Ok, ouais, effectivement, c'est une voiture, on a toujours de la traction sur l'avant. C'est vraiment sécurité. Parce que moi, les frères, c'est tous les 30 000. Oui, puis de toute façon, à partir de 500 chevaux, effectivement. Les voitures, elles doivent faire comme elles veulent. J'imagine qu'à forcer un petit peu sur le sec, on va y arriver aussi. Ah, ben les courroies, c'est autre chose. C'est autre chose. Je peux te dire que tout est comme ça aujourd'hui. Super, on peut prendre les courroies, ça peut durer 120, ça doit être normal, même plus que ça, 180. Oui, 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 mais c'est surtout en même temps, moi je les ai eu 10 ans. C'est des 295, 35. Déjà, il peut. Oui, j'imagine qu'on a un petit peu de la courroie. On est sur la même taille d'un peu d'ailleurs. Oui, mais après, j'ai vu 40 derrière, donc effectivement, ça peut donner. Mais oui, pour travailler, elle est toujours dans le sous-sol. Oui, donc j'ai 43, elle est pour 43. Tout à fait, bien sûr. Les coûts d'entretien vont avec les performances.